On veut tracer ici le graphique d'une fonction rationnelle, mais à partir de la forme générale. La forme générale d'une rationnelle, c'est y est égal à ax plus b sur cx plus d. L'idée, c'est que dans cette forme-là, on n'est pas capable d'observer ni le h ni le k, donc de connaître facilement le centre de l'hyperbole. Le centre étant une des informations très importantes pour être capable de tracer le graphique. Donc, notre centre, qui est en HK, va se trouver de quelle façon avec la forme générale? Au lieu de faire X égale H, puis de le voir directement en observant notre forme canonique, ce qu'on devra faire, c'est moins D sur C. Et au lieu de faire Y égale K, d'observer le K dans la canonique, ce qu'on devra faire, c'est A sur C. Donc, en faisant moins D sur C, dans le cas de notre fonction ici, ce sera moins 16 sur 4, on est capable de trouver que le H est de moins 4. Et en faisant A sur C, dans ce cas-ci, 12 sur 4, on est capable de savoir que notre K sera de 3. Donc, ce que je sais maintenant, c'est que mon centre est situé en moins 4,3. Moins 4,3, c'est dans le deuxième cadran. Donc, je vais donner plus d'espace dans le deuxième cadran que dans les trois autres, étant donné que l'hyperbole va être centrée à l'intérieur de ce cadran-là. Donc, je vais juste décaler un petit peu mes axes, comme ça ici, de façon à avoir davantage de deuxième cadran que les trois autres. Si ma graduation, c'est des bonds de 1 horizontalement et verticalement, je suis capable d'aller positionner mon moins 4,3 assez facilement ici. Et ce point-là, c'est l'intersection des deux asymptotes que je vais aller tracer. Donc, l'asymptote verticale qui est x est égal à moins 4 et l'asymptote horizontale qui est y est égal à 3. Maintenant, pour aller positionner mes courbes, plus précisément, je vais trouver deux informations qui sont l'abscisse à l'origine et l'ordonnée à l'origine. Donc, l'abscisse à l'origine, c'est la valeur du x lorsque le y vaut 0. Donc, 0 est égal à 12x moins 6 sur 4x plus 16. Je vais multiplier par 4x plus 16 des deux côtés pour pouvoir me débarrasser du dénominateur. Et là, ce qu'on va voir, c'est que, bon, évidemment, si je multiplie par 4x plus 16, à droite, c'était pour me débarrasser du dénominateur. Et si je multiplie aussi le 4x plus 16 avec le 0, ça n'aura aucun impact. 4x plus 16 fois 0 donne 0 de toute façon. Donc, j'obtiens 0 égale 12x moins 6. 6 égale 12x. Je divise par 12 des deux côtés. X égale 0,5. Donc, ça, c'est mon abscisse à l'origine. Maintenant, pour ce qui est de l'ordonnée à l'origine, l'ordonnée à l'origine, c'est la valeur du y lorsque le x vaut 0. Donc, y est égal à 12 fois 0 moins 6 sur 4 fois 0 plus 16. 12 fois 0, 4 fois 0, ça donne 0. Donc, ça donne y est égal à moins 6 16e, qui, une fois mis en nombre décimal, donne moins 0,375. Je viens de trouver mes deux informations manquantes, qui étaient l'abscisse à l'origine de 0,5 et l'ordonnée à l'origine, qui était de moins 0,375, que je peux aller positionner dans mon graphique. En partant par l'abscisse à l'origine de 0,5, donc juste ici, et ensuite l'ordonnée à l'origine, qui était de moins 0,375, ici, ce qui me permet d'aller tracer ma courbe. Dans ce cas-ci, les deux informations qu'on connaissait étaient situées sur la même courbe. Donc, pour ce qui est de la deuxième, j'y vais environ par symétrie, là. Et ça donnerait quelque chose qui ressemblerait environ à ça.